Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, je vais très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. De plus que c'est un fabricant que j'apprécie personnellement, bon, parfois avec quelques loupés, mais dernièrement, il n'y en a plus aucun de loupé et les nouvelles précommandes qui arrivent, maman, maman, maman. Celle-ci, les collectionneurs l'ont déjà reçue depuis une bonne semaine, ceux de ma communauté également, j'ai donc pu voir déjà des photos, les photos étaient déjà très belles, à mon avis en main, ça va être encore mieux j'ai l'impression que Prison Toys a changé de sculpteur et que Prison Toys a changé également de peintre ou autre parce que les nouvelles réalisations sont exceptionnelles. En plus des licences qui sortent totalement de l'ordinaire de Marvel, de Star Wars, Léon, ma foi, c'est pas une figurine qui n'a pas encore été faite. Elle a été faite par Enter B, elle a déjà été faite par d'autres fabricants, DJ Custom et autres. Je ne dis pas. Mais au niveau de la qualité de celle-ci, je pense qu'elle peut être LE Léon Ultime pour ceux qui ont raté la Enter B à l'époque, qui aujourd'hui est devenue intouchable. Les nouvelles précommandes arrivées chez Prison Toys, il y a énormément de choses. J'ai discuté avec le dirigeant de Prison Toys il y a une petite semaine, qui me disait que la Terminator T800 Battle Damage arriverait déjà courant du mois de décembre dans les mains des collectionneurs. Le Blade, aussi sorti il y a très peu de temps en précommande, je dirais 6-7 mois, et déjà en arrivage également pour que l'on puisse en bénéficier courant du mois de décembre. Il y a des nouvelles préco qui arrivent, tout juste aujourd'hui, au moment où je tourne celle-ci, ils ont teasé un nouveau Morpheus, également de la licence Matrix, avec un tease. De Neo et un tease de Trinity. Sans parler, eh bien des Ghostbusters, des Gangs of New York et de toutes les autres figurines à venir. Je pense qu'on va se régaler. Et comme je vous ai dit, on est sur une phase montante au niveau qualité chez PT. Hâte de vous faire découvrir tout ça. Allez, la boîte très stylisée et très jolie. Un superbe artwork où on a Léon The Professional qui est écrit dessus. Le visage de Jean Reno représenté dans les lettres de néon. Et puis Prison Toys One k collectible figure. Prison Toys. Visuel du film ici avec Léon, ses lunettes et son petit bonnet. Petit design coloré, Léon professionnel et les warnings shocking, hazard habituel. Léon, Léon, contenu. Alors, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, c'est parti. Ouais, effectivement, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Niveau du contenu, la valisette, la plante forcément, la brique de lait et tout ce qui va aller avec. Le personnage qui est là est déjà là, je vois qu'on est sur du full, full cuir sur tout l'attirail. Donc ça très bien, c'était du simili sur les anciennes versions et beaucoup ont commencé à floquer avec le simili qui s'écaillait. Là ça n'arrivera jamais puisque c'est du vrai cuir. Visage, petit bonnet, tout ce qu'il faut. En dessous, deuxième étage, le trench, les différentes armes, le socle, oui. Je dis oui et quand je vois le petit visage des familles qui est là sous le plastique, je dis doublement oui. Détaillons-nous tout ça dans le box. Le contenu avec la figurine de Léon et là on va pas se mentir, il y a vraiment tout ce que l'on a besoin. Commençons par le socle, pas de bulles, bien collé, l'affiche du film Léon avec le visage de Jean Reno représenté par devant, très propre. Ensuite, eh bien, on va avoir l'attirail complet euh, de Léon, donc vraiment toutes les armes sont là. Je ne vous les détaille pas une par une, il n'y a pas spécialement d'intérêt. Ce sont des guns, hein, donc on les voit juste là. Et en les voyant là, on voit tout ce qu'on a besoin de voir. Donc tous ces flingues sont ici. Nous avons également la pince, monseigneur, pour pouvoir eh bien, couper tout ce que l'on a besoin. Le petit bonnet en tissu est là, espérons qu'il fit bien sur la tête. Nous avons ensuite les lunettes de Léon, 100% screen accurate. La petite plante est bien faite. Regardez le paint sur euh, les parties de la plante. Ça fait très naturel, le petit pot de terre, des grenades on les a vus, un petit verre de lait, rien de bien particulier. Quatre mains et les mains sont exceptionnelles au niveau de la peinture, rien à dire. Regardez ça, pas de moulure dégueulasse, on a les petites veines, les doigts, l'intérieur de la main, c'est super propre, parfait aussi. Euh, ça, ça m'a l'air d'être un petit sac, donc je pense peut-être qu'il faudra quand même coller, appuyer ça vous-même, quoi qu'on l'ait directement assemblé. Déjà, que moi en plus, je sais même pas comment ça va s'assembler. Je sais même pas si je vais réussir à le faire. Bon, c'est un petit sac, on est d'accord, dans lequel on peut ranger des courses. On est d'accord. Euh, la brique de lait, elle est là, et pareil. Les mecs, putain, mais les mecs, c'est une brique de lait. Ah, il y en a deux. Il y a deux briques de lait, ok. Et là, c'est un jeu de... de pli mi pli moi Oh la vache, je vous déteste. Qu'est-ce que c'est que cette connerie et moi, je jamais plié une brique de lait. Euh, je ne travaille pas chez Lactel, hein, les mecs. Bon, ben, même chose, hein, les gars. J'ai aucune patience. moi. C'est une brique de lait. Il y en a deux. Donc si vous vous en plantez sur une, vous pouvez quand même rattraper le coup sur l'autre. C'est le genre de truc qui m'énerve bien. Bon, une brique de lait, on est d'accord Hop, allez hop, va par là, toi. Et puis, ben, on a la valisette. En cuir, vrai cuir également. Et euh, ça, aucun fabricant ne l'avait fait auparavant. B-Cortis numéro 15, écrit par-dessus. Ça aussi, screen de 100%, personne ne l'avait fait. Ça non plus. Donc elle est vraiment, vraiment officielle au film. Maintenant, comment est-ce qu'elle s'ouvre Oh là là, mais, mais euh, Prison Toy, je vous déteste. Mais vraiment, ils ont émis les, vraiment des vraies fermetures. Donc là, je ne pouvais pas l'ouvrir. Si je veux l'ouvrir, il va falloir que j'aille avec mes petits doigts. Bah, après, c'est la pince à épiler. Pour le refermer, ok. Et donc à l'intérieur, ok. Vous retirez toutes les mousses qui sont ici et vous avez le système de rangement pour venir mettre toutes les armes, les grenades, tout est là. Donc vous voyez les armes, on peut venir les ranger, hop, à l'intérieur. Je ne sais plus trop dans quel sens. Hein. À l'intérieur, les tiroirs s'ouvrent, on peut venir y ranger les grenades. Franchement, très 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 propre. Dernier accessoire, le trench. Il est de très bonne qualité niveau euh, couture, c'est propre. On a le bon tissu utilisé dans le film, une espèce de gris avec des petits poils blancs à l'intérieur, parfait. Passons sur la figue. La figurine, la voici, eh bien, on commence. Chaussures, parfait. Chaussettes, magnifique. Pantalon de tissu gris. Et puis, on a tout ce holster complet qui est ici, ultra détaillé, en vrai cuir. On a les petites balles juste ici. On a le cran d'arrêt qui est là, un chargeur. Les endroits ici pour venir ranger la pince, Monseigneur. On pourra aussi assembler les grenades, les guns à cet endroit-là. À l'arrière, c'est parfait aussi. niveau du tressage, il y a également les bretelles. Petit suite blanc avec les trois petits boutons. Magnifique aussi. Magnifique. Franchement, magnifique. Hein. Waouh. Ah ouais, non, mais là, Prison Toys, vous avez tapé, tapé de ouf. Et la musculature également euh, du body pour Léon. Très, très propre. Hein. Voyons la tête. Alors, la tête me semble bizarre parce que. Ah ouais, c'est un, un énorme coup en fait. Il y a un sup Ah ouais, en fait, il y a un grand coup. Il y a un coup un petit peu ouvert sur le bas pour pouvoir avoir justement quelque chose qui fit super bien sur le body. Et la tête, ouais, la tête est sublime. Voilà, la tête sur Jean Reno. Jean Reno jeune. Ne prenez pas le Jean Reno de maintenant, bien qu'on reconnaisse ses yeux hyper fatigués avec les poches, la barbe, les cheveux. Ah ben bah, super, je peux retirer la tête, donc c'est encore plus facile. Vous voyez la tête que je vous disais, la nuque, comment c'est fait? Pour que ça fitte super bien, pas mal hein, ça. Voilà la tête. Regardez ça. On pourrait dire qu'il est peut-être un peu fatigué, mais dans le film, c'est pas la fête à Nono non plus. Hein. Donc de vous à moi, l'expression de Jean Reno est bien retranscrite. On voit directement Léon. Et évidemment, lorsqu'on va lui mettre le bonnet, les lunettes, déjà, ça apporte. Ah ouais quand même, elle fit super bien en plus les lunettes. Et puis on y rajoute le bonnet. Alors lui souvent toute figurine confondue, ça a été très compliqué de mettre le bonnet, parce que ça tenait pas spécialement bien. Alors, qu'est-ce qu'il en est de celle-là Ouais, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, le bonnet... Bon, après, il le porte un petit peu chelou aussi, Jean-Rénaud. Ouais, moi, je mettrais, sans déconner, je mettrais ici au-dessus un petit tape, ou à l'intérieur du bonnet, un petit tape, également, euh, double face ou autre, comme ça, quand on le pose, il tient. Parce que là, le bonnet tient pas spécialement bien. Si je mets les lunettes et le bonnet... Ouais, lunettes et bonnet, c'est quand même Jean-Rénaud. Et c'est Léon à 200%. Mais le bonnet tient pas. Vous voyez, si je le lâche, je vais vous montrer si je viens de lâcher. Voilà, là je le mets et puis je le lâche. Vous voyez, il ne tient pas, il remonte. Il faut faire quelque chose. Après, comment est-ce qu'ils auraient pu faire pour que ça tienne bien Bonne question. Mais le bonnet, il y a un truc à faire, sinon ça fait un petit peu abruti. Bon, faisons une l'une ou deux pauses. Figurine de Léon, tournant sur elle-même 360 degrés, sans pause particulière, ni même accessoire, juste comme il est out of box sortie de boîte. Bon, je vous l'ai montré en détail. Chaussures, ils vont jusqu'au détail des chaussettes. Le pantalon et surtout ce holster complet en vrai cuir apporte énormément. Carrure, pas mal pour euh, Léon. Franchement, Jean Reno est bien représenté au niveau euh, de la carrure euh, du body. Les mains exceptionnelles. Et puis le visage, je le trouve quand même super, super bien fait. Mais ça, j'attends également votre avis et vos commentaires. On l'habille, on regarde ce que ça donne. Voilà, petit ajout de la pince Monseigneur sur euh, la partie du holster de côté. Rajout du gun également dans le holster du côté gauche. Petit verre de lait dans la main, gun dans l'autre. Et puis voilà, pour moi, Léon le professionnel, c'est comme ça. C'est avec la valisette dans la main, la petite plante dans l'autre, lunettes et petit bonnet. Écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités avec toutes les armes qu'il y a. Je vous laisserai vous si vous achetez la figurine, en tout cas vous éclatez et il n'y a de limite que votre imagination, comme d'habitude. Mais là, Prison Toys, on va pas se mentir, on fait quand même de la très, très bonne qualité. Allez, on est parti pour la conclusion. Conclusion, les amis, sur ce Lion de Prison Toys, eh bien, c'est quand même pas mal fait. Hein le petit bonnet, ben j'ai réussi forcément à le fixer, comme je vous ai dit. Un petit bout de scotch à l'intérieur, pas besoin qu'il colle super fort. Vous le placez dessus et magnifique, il tient euh, parfaitement. On a tout ce qu'il faut, les accessoires, la case, elle est 100% screen accurate, les inscriptions dessus, les petits morceaux de journaux collés à gauche, à droite, toutes les armes et surtout des matériaux de qualité avec ce holster full cuir, le manteau magnifique, les chaussettes, il y a tout ce qu'il faut. Le visage est top. Prison Toys, vous nous avez régalé sur ce Léon, est-ce que c'est aujourd'hui le meilleur Léon sorti à ce jour Je vous dirais qu'il se bataille plutôt pas mal avec la Enter B, sauf que la Enter B c'est introuvable, c'est 500 balles minimum, et celle-ci on est aux alentours des 200-230 euros, donc forcément rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant sur la Prison Toys. Si vous recherchez la figurine, je vous la mets dans la description, vous me direz ce que vous en avez pensé, visage, tailoring, accessoires, est-ce que c'est pour vous le meilleur Léon aujourd'hui ou est-ce qu'il est complètement foiré et que je devrais peut-être aller consulter un ophtalmologue parce que bon, si à un moment donné, je ne sais plus voir ce qui est bien ou pas, bah, il va être temps d'arrêter la chaîne, dire ce qui est. Donc vous me direz ce que vous en pensez euh, dans les commentaires. Et puis bah, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications si c'est pas encore fait, devenez membre soutien sur le bouton rejoindre et vous voyez toutes ces vidéos en avant-première quelques mois avant vraiment quelques mois avant pour certaines. Et puis vous aider surtout mon travail que je réalise sur cette chaîne pour vous. Allez, c'est tout pour Léon, c'est tout pour moi, c'est tout peut-être pour vous. Si pas, il y a plus de 2000 vidéos sur la chaîne. Allez vous régaler. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.